bonjour à toutes et à tous. Ta gueule. Snapchat, une application avec 300 millions d'utilisateurs actifs. Plus de 5 milliards de snaps envoyés chaque jour. Un réseau social façonné afin d'endiguer l'utilisateur à son usage. Le rendre addict, le forcer à conserver le lien social avec ses confrères par le biais du concept des flammes. Ou des pêches, ça dépend si vous aimez le cul. Snap, c'est du contenu éphémère. Des photos, des vidéos. Je viens de chier un bail, t'as les fous. Ou encore des stories. Quelque chose me tombe dessus. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Une dynamite? Et là, la chute est fatale. Et là, je réalise. Je suis tombé sur les montres de Christian Miller. Mais laissez-moi vous dire, parmi tout ça, persiste un outil qui relie tous les utilisateurs à travers le monde entier. Qui permet de faire de nouvelles rencontres, de nouer des liens. Pas du tout. On appelle ça... T'es mal à la taille du rat. Continue, continue. On appelle ça la Snap Map. Et c'est exactement ce sur quoi on va s'amuser aujourd'hui. Moi. Non, sérieux les mecs, sur Snap, il y a un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est la Snap Map. Vous savez, vous pouvez savoir où sont vos potes, vous pouvez savoir où est-ce que vous êtes vous. Là, on peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont en France là. Et moi, je suis un peu dans un autre continent, tout seul. Je suis un peu isolé là. Vous voyez les dizaines de ronds orange là? C'est-à-dire qu'il y a des stories. Et nous, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va regarder à travers le monde ce qui se passe. Dans les stories, on va aller dans des pays aléatoires. On va voir ce qui se passe. Par exemple, au Yémen là, actuellement. Est-ce qu'il y a des gens qui font la fête au Yémen? Je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui, ça. J'ai rien compris. En fait, tu peux voir dans le monde ce qui se passe en temps réel. Je trouve ça fou quand même. Genre, les mecs, ils font des vidéos et tout. Toi, tu peux y accéder direct. Genre, c'est le mec qui découvre le concept d'internet. Le mec un peu en retard. Il va avoir des trucs intéressants. Attends un peu. Je te jure, va avoir des trucs intéressants. J'espère va avoir des trucs intéressants. Ah, de la cuisine. Bon, mon esprit mal placé me dit que c'est autre chose que de la crème fraîche. Mais bon. Mais vous savez quoi? Mais en fait, pourquoi je commence par le Yémen? Pourquoi je commence pas par mon pays? Pourquoi on commence pas par le Maroc? À tout hasard. Ok, ça, c'est ma ville, les mecs. Représente Agadir. Je représente ma ville qui, bon, soit n'est pas très très ouf. On va pas se mentir. Voilà. Yes, c'est pour ça qu'on a envie de changer de pays. Oh, une tortue! Une tortue! Dans la vie, toujours prendre son temps. Ah bah ça, t'as bien raison. Bah, elle prend même un petit peu trop son temps, je dirais, là. Mais qu'est-ce qu'elle va faire sous le canapé? Exactement. Ah, c'est un piercing. Ah, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir un piercing. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de me sentir percé pendant que je vois un piercing. Je crois que c'est ça qui me fait mal. C'est comme les gens, tu sais, quand ils me racontent, une histoire, tu vois. Ils me disent, ouais, il y a un couteau qui m'a transpercé la cuisse. Genre, moi, en fait, j'ai l'impression de sentir le couteau me transpercer la cuisse. Et du coup, j'ai mal. Est-ce que je suis le seul à qui ça arrive ou pas? Ok, les mecs, on va voir les stories en Espagne, à Madrid. Qu'est-ce qui se passe exactement à Madrid? Ok, ça regarde du foot. Visiblement, là-bas, y a pas. Ah. Ouais, allô? Wow, wesh BG, ça va ou quoi? Tranquille toi mec. Gros, t'es où? Je suis en plein tournage de vidéo. Et en plus j'utilise mon iPhone, donc là, l'écran il est fumé. Ah merde. Ah du coup enfin on m'entend quoi. Ouais ouais. Ouais ouais la team, ça va ou quoi? Et j'espère que vous passez une bonne vidéo, ça, laissez un pouce bleu. Vas-y bah je te dérange pas mon ref. Ouais vas-y gros, je te laisse, je voulais savoir comment t'allais, mais vas-y, t'es occupé donc. Si tu veux, je te rappelle après. Ouais, vas-y, tu veux. Vas-y, à toutes, beau gosse. Quel crack, je l'aime trop. Lui, les mecs, c'est mon meilleur pote. Lui, vraiment, à chaque fois qu'il y a un petit coup de mou dans ma vie, je fais appel à ce mec. C'est le GOAT. En plus, vous l'avez déjà vu dans une vidéo, là. Qui m'a coupé les cheveux, là. Qui m'a fait la boule à Z, putain. Petit extrait tout de suite. Ah oh. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai avalé un poil. Oh, le Merco. En Espagne, oh putain la fraise. Oh j'ai envie de manger la fraise. Oh le gâteau a l'air d'être succulent sa mère, ça me donne faim. Belle cuisse, j'aime bien. J'aime bien la pilosité. Il y a des gens, ils se mettent bien là. Hein. On va aller aux États-Unis les mecs. On va aller voir s'il y a des dingueries là. On va aller en Floride. Orlando, c'est parti. Et voilà, de la boîte de nuit, de comment ça s'appelle? De l'exorcisme. Qu'est-ce que je raconte? Oh, y'a Mickey en Floride, les mecs! Il fait de la danse. Bon gros fiac, Mickey, hein. Petit pas en avant, petit pas sur la gauche, petit pas à droite, et hop là! Rien que ça swing! Oh non, ça par contre, fallait pas me montrer ça. Fallait vraiment pas montrer des sushis, là, j'ai envie de manger des sushis, hein. C'était le pire truc à faire. Là, j'ai envie de manger des sushis, les mecs. Mais elle filme son gosse, elle le met sur Snap comme ça, genre. En train de manger une soupe. Oh merde. Mais pourquoi elle met ça en story? Je suis gêné. Oh, what the fuck? Oh, la tempête! La tempête! Là, vous voyez, grâce à Snapchat, je sais qu'il y a une tempête à Buckingham, en Floride. Snap, c'est utile, hein. Oh, belle queue, mon chien, là, belle queue. Oh, trop mignon! Le petit poulet! Qui va bientôt passer à table et c'est pas lui qui va manger. Elle va être un petit peu énervée la dame là. Pas trop envie de me battre avec elle. Ok, on va à Miami les mecs. Là normalement, vous risquez d'avoir des trucs de boîte de nuit et tout, je pense, non? J'aurais pas de dinguerie à Miami Beach là. Putain, Miami Beach ça a d'être pas mal hein. Ça me donne envie d'y aller à Miami tout seul. Hein. Voilà les boîtes à Miami. Oula mon frérot. Il a vu que ça filmait, il a quand. Regardez, il prend le téléphone, il le baisse. Eh, ferme ta gueule si je te suce le pied, je veux pas que ça soit filmé, ok? Je suis peut-être fétichiste de tes pieds, mais tu filmes pas. Il a failli faire une dégustation de yep en live, le frérot, là. Hein. Oh, je sais où on va aller. On va aller au Canada. Objectif, trouver un mec qui dit colis de tabarnak. Il y a quelques litres dans le sang, là. Tu essaies de faire du skate sans roue, mon frérot? Wesh! Oh, le frérot, il est du père, là. Hein. Non, là, le mec, il est... Ah, il est loin, là. Hein. Ah, là, il est dans une autre galaxie. Hein. Il a pris le portail du Nether, il s'est barré, là. Hein. Oh, trop mignon.
Il est trop beau le chien. Trop trop beau le chien. En noir et blanc comme ça là. Il y a pas à zoomer autant comme ça sur la nourriture. Je peux filmer de loin, ouais. Il y en a vraiment, genre quand ils filment de la bouffe, tu sais, ils filment comme ça, tu sais. Hein. Ils veulent rentrer dans le champignon, tu vois. Ils veulent rentrer dans la carotte. Ah, ça se vaccine. Voilà. Même à Montréal, ça se vaccine, les mecs. Est-ce que vous êtes vaccinés vous ou pas? Dites-moi. Petit pouce bleu si t'es vacciné. Et petit pouce bleu si tu l'es pas. Et voilà. C'est la petite transition pouce bleu. Oh non, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Ah, en plus, elle bouge et tout. Elle regarde, elle patouille. Oh non, 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 ça me. Ah. Ça me met des frissons. Vous voyez tout à l'heure quand je vous parlais de la du truc qui rentre dans le pied, ça me fait mal. Là, c'est la même chose. Là, vraiment, ça me fait, c'est des frissons. Ça me donne envie de secouer mon corps. Oh les mecs, on va aller en Colombie. On va aller à Medellín. Ça se trouve, il y a Pablo Escobar. Putain, c'est comme dans les reportages, hein. C'est le mec qui est un petit peu trop con. Oh, on l'a trouvé. C'est lui. On l'a trouvé, Pablo Escobar. La vie de ma mère. Il est là. J'y croyais pas. Zero One, j'y croyais pas. On l'a trouvé. Oh. Oh, le petit clavier là. Au fond, my room was really giving it today. Le petit clavier au fond là, je l'aime bien. C'est un 65%. De là, je dirais que c'est des switches rouges. Wesh, le chien il est attaché là. Le chien il est attaché sur le toit. C'est un peu un truc d'enfoiré ça. Faudra le laisser vivre, tu sais, à l'intérieur du domicile. Tu sais, avec vous. Parce que tu l'as adopté. Enfin, tu sais, tu l'as accepté de le prendre quand il était petit. Quand il grandit, il faut encore le garder, tu sais. Un truc que tu prends, hop là, un truc de connard. Jamais Mystery, moi, je l'attacherai sur mon toit. Enfin, bref, ça dépend. S'il me casse les couilles, il va même aller par-dessus le toit. Bogota. Désolé, c'est welcome to Bogota. If you can't speak Spanish, I'm just saying I'm not fluent, but I'm not an idiot. Thanks, Dunkin' International. Donc, des touristes viennent à un Dunkin'. Oula, doucement. Des touristes viennent à un Dunkin' à Bogota. Et les meufs leur demandent pourquoi elles viennent à Bogota si elles savent pas parler espagnol. Frérot, tu sais, voyager. Je suis pas né avec toutes les langues dans ma tête. Donc, normal, tu vois, si je maîtrise pas totalement la langue, tu sais, mais j'aimerais bien manger un donut. Je parle pas espagnol. Tu parles pas espagnol? Non, je suis désolé. Je peux pas manger de donut. C'est la maison. Je suis désolé. C'est pas de ma faute, hein. Oh, en vrai, de vrai, intéressant. Vous pensez à des stories en Afghanistan là, par rapport à ce qui se passe actuellement? Genre, est-ce qu'on peut trouver des stories à Kaboul? En vrai, j'aimerais bien voir. Bah attends, déjà juste dans le pays, comment ça se passe? Ok, ça chiche. Petit barbuck. This is the wrong generation for the people with a good heart. Oh, belle citation. Il y a de l'amour même en pleine catastrophe. On va essayer d'aller en République démocratique du Congo. Je connais pas les villes du Congo, je vais pas te mentir que les villes du Congo c'est pas trop mon truc. Quel mec, vas-y, on va aller à Kinshasa. C'est parti. Oh, ça sent bien ça, Kinshasa. Elle a trop de fans tellement que le couple à côté n'arrêtait pas de la dévisager. C'est un peu mon quotidien, donc je sais de quoi elle parle. Moto, voilà. Bang, c'est ça. J'aime bien le petit crocodile à l'avant. Elle est seule au resto avec une. Oh non, je peux t'accompagner moi. Après, c'est un peu long, je vais pas te mentir que. En fait, non, la flemme. C'est archi long, moi. Au Lagos, au Niger. Hop, il y a l'air d'y avoir beaucoup de stories là. Petit concert en live. On lève tous les mains en l'air, les mecs. Il a une belle voix, hein. Montre ton chibre. On va tous te sucer ici. Il y a de l'ambiance là, hein. Il y a de l'ambiance au Nigeria. Billet pour le Nigeria. Pas cher. On va aller à Marseille, les mecs. On va aller où à Marseille? Vous savez quoi? On va aller au vieux port. Wesh. Ah, ok. Oh, j'ai cru que le mec il filmait d'en haut. J'avais pas compris. Je me suis dit, wesh. Oh, le mec est archi chaud. Pour en avoir vu, les mecs, de mes propres yeux à Marseille, ces mecs-là sont chauds. Problème avec les policiers? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de renfort? Ne comptez pas sur moi. Mais ça a l'air de... Wesh. Il se passe quoi à Marseille? Mais j'ai l'impression que ça fait que crier. J'arrive à rien comprendre. Ah bah c'est fini. Y'a plein de gens qui font des stories comme ça, hein. C'est trop mignon. Marseille, c'est quand même une belle ville en vrai, hein. C'est quand même une belle ville, Marseille. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Un des bateaux là, tu vois, tu te les prends. En soi, il y a la moitié qui sont à moi. Et bref, t'en prends un seul, ça suffit. Et tu vas faire ton petit tour dans la mer là, et tu te mets bien, hein. Il kiffe sa vie, le mec, c'est bien. Ah, vraiment, des gens en France, ils kiffent leur vie, hein. Ils profitent de la vie, quoi. Est-ce que, par exemple, c'est le cas de gens à Monaco? Je déteste cette eau, d'accord. Il y en a qui n'ont pas accès à l'eau et toi, tu la détestes. On voit bien que t'habites à Monaco. C'est le mec un petit peu trop préjugé, tu sais. Oh, il a fait un petit plongeon? Oh, la tête la première, par contre, il a des couilles, hein. Moi, je l'aurais pas fait, la tête la première. Oh, la belle voiture. Oh, le Golf 7. C'est un Golf 7 R? Oh, le Golf 7 R violet, il est. Oh, il est sapatoche, hein. Maintenant, on va voir ce qui se passe à Paris. À plein Paris, en fait. À Paris même. Oh, il snap ma voiture encore. Non, c'est ça. Ça fait deux fois, les mecs, que je vais sur la snap map. Deux fois que je vois ce mec-là snap ma voiture. C'est bon, frère. Oh, il snap la deuxième. Non. Eh, tu laisses. Attends, mais il snap celle de ma soeur, là? Mais wesh, t'en as pas marre, là? Ouh, ça a l'air d'être bien bon, ça. Hein. C'est comment à Londres? Oh, hey! Les Londoniens ont du flow, les Londoniens savent danser! Ah, les bonnes vibes comme ça! Ça me fait sourire automatiquement, genre. Il y a des écritures arabes dans n'importe quelle ville. C'est ouf, ça, en vrai. Il y en a qui ont de la chance. Il y en a qui ont de la chance, visiblement. Billet pour le Royaume-Uni, pas cher. Les mecs, on dirait pas Inox Tag en musclé? La coupe de cheveux, en fait. Non, en fait, il y a juste la coupe de cheveux. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à lui, mais il ressemble, en vrai. Non, si, il y a même un truc au niveau des yeux. Ah, on dirait trop que c'est lui, hein. Non, je trouve, on dirait trop que c'est lui, mais en plus musclé, genre. Ça me dégoûte. Le caca est énorme là. C'est un caca d'animal. Aucun humain ne peut chier ça de son trou de balle. C'est pas possible. What the fuck?
C'est énorme. C'est fou de dire qu'il y a des gens, ils voient un caca dans des toilettes, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de le filmer et de le mettre en story stop. En vrai, je fais le mec, mais je pense que j'aurais fait la même. On va pas se mentir que. Oh, ça a l'air d'être trop bon. Oh, ça a l'air d'être tellement bon. Oh, la bouffe à Oxford, putain. Ça a vraiment l'air d'être succulent, ça. En vrai, on a fait pas mal de villes, hein. Mais il reste encore tellement de trucs à regarder. Il y a tellement de pays en vrai dans le monde. C'est fou, en vrai. Hein. De se dire qu'il y a autant de diversité dans. Je sais pas, moi je trouve ça ouf. En fait, tu vois des nouvelles têtes. Genre, dans chaque pays, c'est des nouvelles têtes, genre. Et tu sais, c'est des gens qui vivent comme toi en même moment. Enfin, tu sais, le mec qui découvre le concept de la vie sur Terre. Le mec qui découvre le concept de la vie de l'humanité. Eh les mecs, j'espère que ça vous a plu en vrai cette petite vidéo. On a vu quelques petits trucs drôles. C'était bien, c'était divertissant. Moi, je trouve que c'était divertissant. Dites-moi en commentaire, les mecs, du coup, si vous voulez que je refasse un épisode de SnapMap. Ça peut être archi drôle. Et si vous voulez que je le fasse avec quelqu'un, je pense que c'est réalisable. Mettez un petit pouce bleu, activez la cloche, les mecs. Bisous, bisous. C'était VMS, ciao.